C'était là, c'était face. Tout inspire de tes blessures, mais ce qu'on peut lire, c'est des ratures. Au fur et à mesure, le sur te met au pied du mur. C'est dur, mais c'est ta cure. Poser tes mots sur tes craquelures, mais tu sais pas si ils sont mûrs. Si pour les dire, t'as la carrure, alors assemble les mots. Et les mots s'amoncellent comme un nouveau jeu de Lego en une grande boule de Babel. Toujours trop découpé, décortiqué, disséqué, assimilé, puis recréer une nouvelle idée. Le tour de force est d'expliquer. Écris avec tes mots, écris avec tes sens pour pouvoir sans défaut décrire ce que tu penses. On est tous dans le même ratio, chercher les mots, chercher le fond, chercher dans le fond ses voyons dans les recoins de son ego. Mais l'ego sont mes éléments que je construis indépendamment pour ensuite les assembler, les empiler et les fixer, les déplacer, les recoller. Mais au bout du compte, qui est-ce que j'aime? Et même si t'es jamais fini, qui n'attendait d'être abouti? Les réflexions deviennent le son sans mise en forme.